Hey, salut tout le monde, c'est Téléphone. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux encore une fois de vous présenter The Last of Us. En attendant, je vous invite de regarder cette vidéo jusqu'au bout et je vous souhaite un bon visionnage à toutes et à tous. Vous prenez un pas? C'était des lucioles, tu crois? Non, je crois pas. Pourquoi il y a des infectés aussi près du labo? Bill s'en servait pour se protéger. Si ça se trouve, ils font pareil. Ouais, c'est possible. Pas de garde. Rien du tout. Ouais, on va bien finir par croiser quelqu'un. Allez, on entre. Allez. Petit tour. Ah, ben voilà. J'ai bien fait de faire le tour comme ça. Les lucioles, voici. Je crois qu'il reste des lucioles en vie. J'espère. On va bien savoir, hein, de toute façon. Hein. On va bien savoir si les lucioles sont en vie ou pas. Je pense que. Allez, file. Pour l'instant, on a un petit peu de l'espoir à zéro. Je vais voir un petit peu avant d'avancer quand même. L'espoir pour l'instant, c'est zéro. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas d'espoir. On verra bien. Hein. On verra bien. Mais en attendant, on admire le coucher du soleil. C'est beau, hein, m'empêche. Hein. Je sais pas si vous avez déjà senti ces moments où dans une journée ou enfin même quand vous étiez à l'école à la fin de journée où il n'y a personne. Eh, là-bas alors. Ouais, ok. Où il n'y a personne, c'est tant comme ça là. La fin de journée après une pluie ensoleillée. On sent une sensation de. C'est pas une sorte de liberté, mais de vide, sensation d'être bien, même quand on se sent qu'on est seul. Mais après, on a envie de rentrer, quoi. Ben, c'est impossible à jouer. C'est tout rouillé. Faut trouver autre chose. Ou alors, on passe par-dessus. On passe par-dessus, c'est-à-dire. Donc voilà, oui, ça m'a déjà arrivé, même maintenant. Hein. Il y a des endroits où il y a des immeubles comme ça, ben, tu vois le soleil qui tape le mur comme ça, moi ça me fascine. Ouais, il ne faut pas beaucoup de choses pour fasciner, hein, c'est vrai. Hein. Hop, ou alors je passe pas. Ah, ok, le cheval il a peut-être quelque chose. Va-t'en. Je vais monter dessus, parce que ça va faire un truc. Bah oui, je peux sauter là, Joël, mais. Sauf que Joël, il ne veut pas descendre. Enfin, monter. Sauter. Qu'est-ce que je peux faire? Non. Je peux pas fondre parce que même si j'ai lancé flamme, est-ce que je peux tirer? On verra. Non, je peux pas tirer. Ou alors, avec le cheval. Ah, j'ai un peu d'idées encore une fois. Je vais tirer sur la chaîne, normalement, en tirant sur la chaîne. Ça peut couper, mais non, ça n'a pas coupé. Là, je suis en train de gaspiller encore une arme, enfin des balles. Mais je viens de voir qu'il y a un petit truc là, ici. Ok, il était bien loin. Hein. Il était bien loin l'énigme. C'est aussi, je pense qu'il y en a plus d'un qui est resté pendant des heures et des heures à trouver la solution. Allez, on lâche tout. Voilà. Mais tu sais, Joël, tu pouvais juste sauter. Bon, c'est pas ce que j'avais en tête, mais pourquoi pas. On n'a pas besoin de tout ça. Hein. Là, il est plein plat. Il monte au-dessus, mais bon, après il nous dit
Je vais le lever, il peut pas faire que ça. Après tout ce qu'il a fait, je pense qu'il peut quand même faire ça. Hein. On t'a donné des coups de poing et bien visé. Je pense que c'était pas bien compliqué pour lui de sauter le barreau. Hop, est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées? Puis le cale par là, non. Hop, allez. Des câbles là-haut, ok. Bon. Ici, non. On peut rentrer. Ici non plus. Est-ce qu'il faut monter quelque part? À mon avis, est-ce qu'il faut monter sur le camion? Et ici, on ne peut pas. Ici, on ne peut pas non plus. Ah, ok. Bon. Je pense que. Enfin, je l'espère. Hein. Il faut monter avec ça encore. Allez, hop. On monte sur le camion et on monte au-dessus. J'espère, j'espère, j'espère. Voilà, hop. C'est bon. J'y suis. Ah, il y avait déjà plein de solaires à l'époque. Ouais, il y a déjà plein de solaires. Allez, on monte. Ok, on y est. Allez, donne-moi ta main. Et voilà. Merci. Jetons un coup d'œil. Ouais, vas-y, on va jeter un petit coup d'œil. J'espère qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise. Mais a priori, il n'y a pas de vie ici. Hein. Parce que je vois, il n'y a pas de vie ici. Il y avait, mais il y a un moment. Bien établi, parce que non, il n'y a rien à améliorer. Il n'y a plus rien en tout cas. Améliorer. C'était un labo, ça se voit que c'était un labo. Du moins, l'emplacement de physique chimie. On peut très bien faire des expériences par là. Moi, c'était un éclat de physique chimie. Ça se voit bien. Mais c'était transformé en hôpital. C'est quoi ça qu'ils ont marqué sur le tableau? C'est illisible. Hein. C'est illisible. Je fouille un petit peu toutes les pièces. Tout ce qui sont ouverts déjà. Bah, c'est ici, c'est plus lumineux que les autres. Hein. Comment ils vont faire? Faire quoi? Pour prendre le remède. Ça va faire mal? Non, non. Ils vont juste prendre un peu de sang. C'est rien. On m'a dégoûté des piqûres. Ils nous ont vaccinés à l'école. C'était l'horreur. Ouais, c'est vrai que tout le monde a peur des piqûres. Qui n'a pas peur des piqûres? J'ai pleuré à chaque fois. À chaque fois que j'aille. Pour faire des piqûres, des rappels, j'ai peur tout le temps. Allez. J'ai plus de couteau, hein. Si, ok, j'ai pu améliorer. Non, j'ai plus rien. C'est bon. Oh. Alors pour améliorer le couteau. Ah, couteau. La grenade. Arrête de crier. On ferait mieux de rester discret tant qu'on ne sait pas ce qui se passe. Ouais, parce que là, tu n'es peut-être pas un petit peu élire. On n'est que deux. S'il y a 40 000 personnes qui arrivent, des zombies, on est mort. Hein. Tiens, il y a même la télé dans le couloir. C'est beau ça. C'est magnifique. Rien d'intéressant. Il n'y a rien d'autre ici que tout un fatras médical. Ouais. Je comprends pas.
On dirait qu'ils ont remballé et qu'ils sont partis en vitesse. Peut-être pas tous. T'éloigne pas. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? C'est parti en vitesse. Ouais, je pense que ça se fait attaquer par là. Et du coup, ils se sont tous partis. C'est bizarre, partout où il y a les lucioles, il n'y a plus personne. Soit ils sont infectés, soit ils sont morts. On se demande, hein, les lucioles, si c'est pas pour quelque chose. Hein. Allez, hop. Vas-y, verdict, est-ce qu'il y a quelqu'un là-dedans? Pardon, Ellie. Ah, c'est un qui ouvre. Aucun cadavre. Tant mieux. C'est bon signe, ouais. Il faut qu'on trouve où ils sont allés. Pas de cadavre, il n'y a pas de... Mais là, j'en... Ah! J'en ai entendu quelqu'un. Il y a forcément quelqu'un qui est resté. Cette fille, j'ai déjà vu quelqu'un. Ah, bah oui, à l'entrée. La photo, elle est partout. C'était la seule qui est restée ou quoi? Bah, cette fille, ouais. C'est la. Ouais, mon mec, c'est encore. Mais qu'est-ce qu'elle fait dans l'université? C'est encore. Hein. Ou alors, c'est le super antelope. Ça devait être le super antelope. Ça arrive, hein. Il y en a qui. Des gamins de 10 ans qui sont déjà à l'université, il y en a beaucoup. Hein. Il y a beaucoup d'expérience ici. Beaucoup de tests d'expérience, ça se voit. Ah ouais, il y a un microscope partout. Ils ont fait beaucoup d'expérience. Il y a une porte ici que j'ai pas ouverte. Ah, c'est la porte. C'est la porte qui nous mène à l'extérieur. Ok. L'ordinateur. Ah, je suis censé depuis tout à l'heure. Hein. Il y a pas mal de choses. Voilà, de boulons. Ok, j'en ai plus besoin, mais il y en a encore. Il y en a plein. Si, peut-être j'en ai besoin pour acheter des trucs plus tard. Oula. Joël. Enfin, il faut te calmer, hein. Comment il a foncé la porte? Ah, il y a plein de tiroirs à ouvrir. Ah, mais c'est bon. On me donne des munitions, tout ça. Hop. Allez. Charge. Bon, j'ai ce qu'il faut. Dommage que je peux pas avoir plus. Hop. Ah, c'est le fouillage là. Fouillage des tiroirs. On a plein fouillé. Allez, j'arrive, Ellie. J'arrive. Il y a quoi ça? Oh. Merde! Sûrement des claqueurs, tu crois pas? Des claques? Non, les claqueurs ne se cachent pas. Ouais, normalement. C'est que ceux qui viennent de se transformer qui se cachent. En tout cas, il y a des fantômes ici. Hein. Il y a des fantômes. Du bruit, etc., etc. Oh, scanner. Rayon X logique pour consulter. Bon, ok, bon, je vais pas consulter. J'ai perdu assez de temps comme ça. Regarde quoi, Ellie? La télé? Ça marche plus, malheureusement, désolé. C'est un singe. Ce sont les singes qui font les farces. Au moins, c'est pas des claqueurs. Ouais. Ni des lucioles. Bah, peut-être qu'à force de chercher, ils se sont transformés en singes.
Continue de chercher, on trouvera quelque chose. Mais quelle bonne blague, Ellie. Ok, j'ai trouvé un magnétophone, laboratoire. Déjà une bonne chose. Luciole. Ah, il s'est passé malin, Luciole. Vu qu'il y a la médaille partout, là. Peut-être qu'un cheval de chercher se sont transformés en singe. Quelle bonne blague, Gelly. Allez, passons à l'essentiel. Ah, il y a du bureau partout là par contre. Chaque endroit il y a un bureau. Hop, voilà, ça s'est ramassé. Ok, j'ai tout ramassé par ici. Les tiroirs c'est bon. Allez, on pousse. Non, sans blague. Je suis mort. Ou je le serai bientôt. Ça m'a laissé le temps de réfléchir. Certaines années, on croyait tenir quelque chose. Cette entreprise n'était qu'une monstrueuse perte de... Je n'ai plus envie de continuer. Allez. Pour les autres, ils sont retournés à l'hôpital Sainte-Marie, à Salt Lake City. C'est là que vous les trouverez. En train d'essayer de sauver le monde. Bonne chance. Est-ce que tu sais où c'est ? Ouais, je connais la ville. C'est loin ? C'est pas tout près. Enfin, à cheval. Quoi ? Les Lucioles ? Baisse-toi ! Oh ! Et voilà, les amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce de j'aime pour compenser cette vidéo, et je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas de commenter pour savoir ce que vous en pensez de cette vidéo. Et puis toi qui passes par là, qui n'est pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche de la notification pour recevoir mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!